Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau veut placer la femme au cœur de toutes les actions de développement. Le parti a lancé à cet effet un symposium sur le thème « Bien-être de la femme politique au Bénin ». L'ONG L'Autre Vie apporte un soutien à des organisations communautaires de base de 12 villages de la commune de Kétou, un geste pour booster les activités de cette organisation féminine en cette période de crise sanitaire. Et puis, fin de mission pour la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. 48 heures de séjour bouclées par un point de presse conjointement animé par le ministre des Affaires étrangères. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal de 13h. Et on parle de la rentrée scolaire 2020-2021. C'est un message d'exhortation à plus d'efforts et à une synergie d'action que le ministre des Affaires étrangères a procédé au lancement de cette rentrée et en donnant des conseils à la veille de cette rentrée. Le ministre de l'Enseignement secondaire et maternel exhorte donc les acteurs à plus de courage. On l'écoute. Comme vous vous en doutez, l'année scolaire écoulée a été éprouvante pour chacun de nous en raison de la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie du coronavirus COVID-19, laquelle crise a failli nous priver de tout espoir. Heureusement, le leadership éclairé, la détermination et le regard très attentif du chef de l'État à l'endroit du peuple béninois et particulièrement envers la communauté éducative étaient au rendez-vous et nous ont fait bénéficier de nombreux investissements qui non seulement ont permis de mener à bien la riposte contre la COVID-19, mais aussi achever en beauté l'année scolaire 2019-2020, c'est le lieu pour moi de réitérer nos profonds remerciements au président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, et à son gouvernement. Je n'oublie pas nos partenaires techniques et financiers qui ont accompagné et soutenu les efforts du gouvernement à travers leurs divers appuis. À la faveur de ce message que je livre, il me plaît de vous exhorter à fédérer davantage nos efforts et à partager nos espérances et attentes face aux défis de cette nouvelle année scolaire. Quant à vous, chères enseignantes et enseignants, je voudrais en cette veille de la rentrée scolaire vous dire combien le gouvernement compte sur votre détermination et votre sens de responsabilité à ses côtés dans la observance des mesures barrières pour l'atteinte de nos objectifs en matière d'éducation. Je reste convaincu que vous emploierez cette année mieux que par le passé à bien vous acquitter de vos tâches quotidiennes.
Et on parle toujours de cette rentrée scolaire. Une église de la place a fait œuvre utile à quelques heures de la nouvelle année scolaire. Elle a volé au secours des conducteurs de taxi moto de Fidjoset en leur apportant des fournitures scolaires. Un geste qui vise à soulager en cette période d'angoisse les parents d'élèves. On fait le point avec Linaïque Agbazao et Bénédicte Posso dans ce reportage. Des kits scolaires gracieusement offerts. Un geste qui vient du cœur et à point nommé. En cette veille de rentrée scolaire, les conducteurs de taxi-moto à Fidjoset-Wenoussou sont comblés. Ils n'ont plus de soucis à se faire. L'homme de Dieu et son église ont pensé à leurs enfants. Toute spiritualité qui ne prend pas en compte la charité est une spiritualité vaine. Toute spiritualité qui ne prend pas en compte son voisin est juste du théâtre. Nous avons dit cette fois-ci de les aider afin que leurs enfants puissent bien aller à l'école et puissent commencer la rentrée afin de parvenir à de meilleurs résultats cette année. Nous savons que vous les aimez, vous avez des moments difficiles, vous êtes à des humbles revenus et que ce don que nous vous faisons ce jour soit un don qui vous pousse à l'avant, qui vous encourage, qui vous motive et qui vous dise que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des gens qui vous aiment et le Saint vous aime encore plus. Les bénéficiaires poussent un ouf de soulagement. Ces différents dons vont permettre à leurs enfants de pouvoir étudier, seul gage d'un avenir prometteur. C'est un acte historique. Nous le remercions sincèrement. Grâce à ce don, nos enfants seront des êtres accomplis demain. Avec ce coup de pouce, c'est la rentrée qui est assurée pour les enfants de ces hommes en jaune. On parle politique à présent dans cette édition. Bien-être familial et social de la femme militante politique au Bénin. C'est le thème central d'un symposium lancé hier samedi par l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. Le parti de l'honorable Prudencio a placé la femme au cœur de cette rencontre scientifique dont la finalité est de lever des points pour l'épanouissement de la femme politique au Bénin. Voici le point signé ici Ernest Tétégou et Renaud Akapo. C'est au siège du parti à Godomedekoumbe que s'est dressée la tente érigée pour le symposium de l'UDBN. Sous les mélodies, les réunis au grand complet, les délégués du parti accueillent avec les honneurs la figure de proue de leur formation politique. Les petits plats ont été mis dans les grands pour célébrer ce rendez-vous scientifique et politique. Tout est parti d'un appel émis au sein du parti le 21 août dernier lors de l'université d'été. Il est question pour l'UDBN de marquer la différence en offrant la base militante des outils efficaces pour son épanouissement. Loin des enjeux électoraux, l'Union démocratique Point Bénin Nouveau accorde du prix aux activités scientifiques pour un nouvel horizon de la politique nationale. Le présent symposium, le premier d'une série, constitue un modèle de ces rendez-vous de réflexion, de donner et de recevoir, qui permettent au cadre de l'Union démocratique Point Bénin Nouveau que vous êtes, d'apporter des contributions intellectuelles pour des actions crédibles et efficaces. Nous estimons à l'UDBN que des activités comme le présent symposium devraient cesser d'être des rendez-vous d'exception pour entrer presque dans nos compétences de vie courante. Pour relever ce défi, la figure de proue de l'UDBN a réuni une belle brochette d'experts au sein d'un comité scientifique présidé par l'ancien ministre Bertrand Sogossi Bokor. Les réflexions menées sous la direction du professeur agrégé ont débouché sur des thématiques de grande préoccupation. Les problèmes de nos concitoyens sont vécus au quotidien. Les préoccupations de nos militantes et militants sont exprimées en permanence. Ces facteurs relatifs à la vie des membres de partis politiques et des citoyens en général échappent à tout calendrier électoral. Il est clair qu'avant le militant de parti politique,
il y a d'abord le citoyen. Nous avons fait un choix, le choix délibéré de nous préoccuper de la vie de la femme militante avec ses spécificités. Je nous suggère d'avoir à l'esprit cette affirmation, certes sciemment provocatrice mais pertinente, de Margaret Thatcher, je cite, « En politique, si vous voulez des discours, demandez un homme. Si vous voulez des actes, demandez une femme. » Fin de citation. L'UDBN donne ainsi l'exemple et s'inscrit dans le sillage des formations politiques proches de la base militante. Ce rôle de leadership, assumé avec dextérité par l'honorable Claudine Prudencio, force l'admiration sur l'échiquier politique national et même au-delà de nos frontières. Je crois que les femmes s'activent. Disons que, à ma connaissance, pour le moment, au Cameroun, nous n'avons pas un parti politique dirigé par une femme. Mais Madame Prudencio, c'est un modèle d'exemple de courage. Parce que tout ça, il faut être courageuse pour pouvoir avoir un parti politique. C'est un modèle qu'il faut encourager et soutenir. D'où ma raison d'être ici, pour l'encourager à ce que son parti puisse continuer à mener ses activités. Le Bloc républicain partage avec vous ce souci de donner à la femme les moyens de relever le grand défi de concilier le rôle qui est le sien dans la famille et son rôle d'acteur politique majeur dans le contexte actuel de réforme politique. Pour le bureau politique de l'UDBN, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre avec des initiatives concrètes au profit des militants. Le parti n'est pas là simplement pour recevoir du militant. Le parti doit apporter aux militants. De manière concrète, nous avons parlé de l'émancipation au plan économique. Qu'est-ce que le militant peut faire pour se prendre en charge, pour ne pas attendre simplement la distribution des billets de 1000 francs, de 10 000 francs et autres? Il faut se former, il faut former le militant. On dit, celui qui te donne du poisson te donne la nourriture d'un jour, mais celui qui t'apprend à pêcher te donne la nourriture de tous les jours. Et donc à l'UDBN, on a décidé de former les militants à l'élevage des volailles et l'entrepreneuriat. On veut outiller les militants à l'entrepreneuriat. Les communications qui ont ponctué de bout en bout ce symposium sont de très belles factures. Les débats aussi. À bâton rompu, les langues se sont déliées pour étaler les mots qui minent l'émancipation de la femme politique. À 6 mois de l'élection présidentielle au Bénin, le parti Moël Bénin affûte ses armes. Tous les délégués de ses bureaux départementaux et communaux se sont réunis pour la cause. Osias Sounouvou, Michel Lébé pour le compte rendu. Fébrilité d'avant-ring électoral palpable chez ses lieutenants Moël Bénin, conviés par leur bureau politique à Calavi, fief populeux à souhait. Le compte à rebours vers l'échéance de mars 2021 s'accélère. Rien de tel alors qu'un congrès extraordinaire pour remobiliser la machine de guerre électorale. Et guerre mystère des intentions. Je voudrais vous rappeler que le 9 août dernier, s'est tenu au Golden Tulip Hotel de Cotonou le Conseil national qui a consacré la désignation de notre candidat. Parmi les premières urgences, il a été question de la remobilisation de la troupe. Mais avant le grand déploiement, le parti s'impose un réglage interne, relecture des textes et nouvelles organisations, un exercice tout sauf banal. Des gens auraient voulu que Moël Bénin fasse feu de paille, mais c'est mal connaître les hommes et les femmes qui se sont mis ensemble pour dire maintenant, il faut que la jeunesse s'organise et s'autodétermine. Nous saisirons cette occasion pour procéder à la relecture de nos statuts et règlements intérieurs au regard de nos expériences pour plus d'efficacité et d'efficience. Moël Bénin n'a pas de parrainage à offrir à son candidat, mais des voix. Et ça se joue sur le terrain. Face au colibé qui rappelle les essais législatifs et communaux manqués, le leader Moël Bénin mise sur cette expérience-là, les valeurs et capacités d'organisation du parti. Ceux qui tiennent ces propos, ils savent le niveau d'organisation
et de structuration du parti Moël Bénin sur le terrain. Je n'en veux pour preuve que le témoignage que le parti Union Progressiste nous a fait. Nous allons capitaliser toutes ces expériences malheureuses-là pour bonifier notre organisation sur le terrain et vous verrez les années à venir. Entre deux propos mobilisateurs, Jacques Kayadji rappelle le projet politique Moël, déconstruire dégagisme opportuniste et vote clientéliste au mépris d'un projet national. Praxis mise à mal par la réforme politique pour sûr, Moël Bénin compte occuper le terrain électoral, surtout pas en spectateur. Et on parle politique toujours. Les ténors de l'Union progressiste se sont retrouvés samedi à Porte-Nouveau pour un atelier de deux jours. Atelier au cours duquel sortira un document final pour servir de boussole au programme d'action pour l'Union progressiste. Les travaux de cet atelier ont été lancés en présence du président du parti Bruno Amosou, Brissoumbo et Fermin Bassao pour le compte-rendu. Le bureau politique de l'Union progressiste, presque au grand complet, fait son entrée dans cette salle d'un hôtel de Porto-Novo. Un parti né en décembre 2018 et qui se veut être la première force politique du Bénin nourrit l'ambition de conquérir le pouvoir d'État en 2021. Le parti politique dirigé par Bruno Amosou, qui aura battu tous les records des élections législatives et communales avec 46 députés et 42 maires, entend toujours relever les défis. Après nos différentes rencontres à Grand Popo en mai 2019, à Boumekalavi en septembre 2019 et en janvier 2020, à Cotonou en juin et en août 2020, nous revoilà encore une fois réunis ici à Porte-Nouveau en assemblée générale impliquant près de 300 militants et comprenant membres du bureau politique, députés, ministres, maires, adjoints maires, militants et responsables à divers niveaux du parti. À chacune de ces rencontres, il s'est agi d'évaluer, de réfléchir, d'analyser et de définir des perspectives et des propositions concrètes issues de la vision et des idéaux politiques, ainsi que des valeurs fondamentales de notre parti, l'Union progressiste. Cet atelier préparatoire de l'élaboration du programme quinquennal du gouvernement de l'UP de 2021 à 2026, se situe donc dans l'ordre normal des démarches et pratiques instituées depuis lors par le parti. Le thème répond bien aux circonstances actuelles. Vous ne serez nullement surpris d'apprendre en effet que l'UP va présenter et soutenir un candidat à la prochaine élection présidentielle. C'est une logique tout à fait claire et évidente. C'est aussi une logique justifiée que l'UP se doit, par ses réflexions et ses propositions concrètes et réalistes, de contribuer à l'élaboration du futur programme de gouvernement de ce candidat que nous devons conduire inexorablement à la victoire. Les deux jours de travaux faits de diverses communications devraient déboucher sur des conclusions et résultats exploitables pour permettre au parti d'aller davantage de l'avant. Et je l'annonçais en titre, Louise Mouchikiwabo a passé 48 heures au Bénin. Et au terme de ce séjour, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie a animé conjointement avec le ministre béninois des Affaires étrangères et de la coopération un point de presse. Le compte-rendu est signé James William Bagidi et Alexis Kenom. En écoutant le ministre
C'est comme si j'avais passé une semaine au Bénin. J'aurais aimé. Deux jours de visite qui auraient pu compter pour sept. Louise Moussikiwabo le reconnaît elle-même à l'occasion du point de presse qu'elle anime à l'issue de son séjour au pas de charge, conjointement avec le ministre béninois des Affaires étrangères. L'occasion de faire le point des nombreux échanges qu'elle a eus avec divers acteurs de la vie socio-économique et politique du Bénin. Cette visite a été riche et pour moi et ma délégation, cette visite était un succès parce que j'ai pu avoir des entretiens très intéressants, à commencer par l'audience que le chef de l'État m'a accordée. J'étais très heureuse de pouvoir discuter, échanger sur des questions d'intérêt mutuel, la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie en particulier. Nous avons aussi parlé de la région, des questions politiques, des questions de stabilité, de paix, des questions de développement. Nous avons parlé de l'importance que le pays, le Bénin et mon organisation accordent à l'éducation des filles, à l'autonomisation des femmes. Nous avons évoqué particulièrement le fonds de la francophonie pour les femmes qui a été créé au mois de juillet dernier. Louise Moussikiwabo n'a pas manqué de marquer l'intérêt qu'ont suscité en elle les entretiens avec la jeunesse béninoise, les femmes, les forces vives. J'ai eu aussi le bonheur d'échanger avec des jeunes béninois qui sont surtout dans le domaine du numérique, apprécier le dynamisme, l'intérêt, l'engagement de ces jeunes qui sont à la recherche du savoir, mais aussi de l'emploi, d'une vie meilleure. Des jeunes qui savent ce qu'ils veulent, qui sont éloquents, qui travaillent dur. J'ai aussi eu ce matin le plaisir d'échanger avec plusieurs femmes entrepreneurs, des femmes aussi qui contribuent au développement de ce pays. Autant d'activités qui sont à la fois des activités d'importance pour la francophonie et pour ce pays. J'ai terminé tout à l'heure ma visite par un moment d'histoire, de culture, mais aussi d'émotion avec la cité touristique de Ouida. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie repart donc ravie et satisfaite. Je suis donc très très heureuse de cette visite. Monsieur le ministre, je vous prie de encore une fois dire ma satisfaction et ma gratitude au chef de l'État, à l'équipe ministérielle que nous avons rencontrée ici dans cette salle hier. D'ailleurs, des hommes et surtout beaucoup de femmes dynamiques qui travaillent dur, j'ai eu l'occasion de le voir, pour faire avancer ce pays. Interrogée au sujet de la prochaine élection présidentielle au Bénin et des échanges tenus avec le chef de l'État, Patrice Talon, à cet effet, Louise Moussikiwabo répond. Effectivement, j'ai échangé avec le chef de l'État sur la situation politique de ce pays. Le chef de l'État a pris le temps de m'expliquer, de m'amener sur le chemin politique parcouru par lui-même et par ce pays ces deux dernières années. Notamment les réformes menées par le chef de l'État. J'ai eu aussi l'occasion d'apprécier les progrès, aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique, même en période de crise que ce pays a enregistré. Une élection, c'est une étape de la vie politique, tout comme d'autres activités, particulièrement dans ce pays. Je pense que nous, à la francophonie, vous savez que notre rôle, c'est surtout d'accompagner les États, de comprendre les contextes, de tout faire pour que la stabilité politique, la sécurité règne dans les pays. Et donc nous, en tant qu'organisation, nous sommes prêts à suivre le cours politique de ce pays jusqu'aux élections, après les élections. Et nous vous souhaitons beaucoup de chance
et une très belle élection dans 7 mois. Quant aux bénéfices concrets que tire le Bénin de cette visite, c'est Aurélien Agbenonsi qui en parle le mieux. Lorsque la secrétaire générale d'une organisation qui est mondiale, que l'on veuille ou pas, parce que la francophonie compte des membres sur tous les continents. Lorsque la secrétaire générale d'une telle organisation vient ici, je sens que ma feuille de route se réalise sur un certain point. Quelqu'un vient regarder ce que nous faisons. Parce que nous avons beau témoigner, nous avons beau communiquer ce que nous faisons, cela n'aura jamais le même impact que ce que peut dire une personne qui est venue, qui a vu d'elle-même, et surtout de pouvoir témoigner pour nous ailleurs, pour dire « je suis allé au Bénin, j'ai vu que ça bougeait, j'ai vu que ça s'arrangeait ». Mais de manière encore plus concrète, c'est en revisitant notre coopération, en décidant de la recentrer, en disant « nous allons dire non au saupoudrage », comme elle en a discuté hier avec le président de la République, qui était en totale harmonie de vue avec elle, en disant « nous allons nous concentrer sur des secteurs ». Et nous avons dit par exemple que nous renforcerons les interventions de l'OIF, mais en se concentrant dans le domaine numérique, en raison du caractère transversal de cette politique du numérique. Louise Moussikiwabou a quitté le Bénin de la nuit même de ce 25 septembre avec la promesse de revenir déjà en début d'année 2021 pour un agenda sans doute aussi chargé. Le gouvernement est satisfait de l'évolution des travaux de construction du deuxième pont de Ouham. Le ministre des Infrastructures et des Transports est allé sur les lieux vendredi dernier. On fait le point avec Jérôme Ombo. Le 29 avril 2019, Patrice Talon donne la joie aux populations de Ouham. Le pont de l'Alliance, sur 228 mètres linéaires, a été inauguré. Ce pont qui a résisté à tous les gouvernements également, aller poser des pierres plusieurs fois, ils n'ont pas pu. Mais avec le président Talon, avec la manière, avec la méthode, avec intelligence et avec détermination, nous avons aujourd'hui ce pont qui permet de relier Calavi et le reste du Bénin à Cotonou sans trop grande difficulté. J'ai préparé 3 fois de suite la pose de première pierre pour le pont de Ouham. Et à chaque fois, je peux vous dire tout ce que nous mettons en branle. Hein, il y a des engins que nous montons sur place, nous dégageons des airs, on fait des trucs en béton sur place. Au finish, le pont n'a jamais été réalisé. Mais cette fois-ci, il n'y a jamais eu de pose de première pierre et le pont de Ouham a été réalisé très rapidement. On payait avant de traverser le bas-fond, mais aujourd'hui, le pont nous facilite la vie. L'arrivée et les œuvres de Patrice Talon sont à saluer. Notre président Patrice Talon, on dirait que c'est Dieu qui l'a envoyé. Aujourd'hui, on n'a plus de difficultés à Ouham avant de vaquer à nos activités. La population de Ouham le supporte. J'étais à 1000 lieues d'imaginer de mon vivant la construction de ce pont, vu mon âge. Je remercie déjà le président, même s'il ne réalise plus rien. Dans l'arrondissement de Godomé, commune d'Abomey-Calavi, Ouham est un quartier dortoir et de transit pour une frange importante de la population. Le gouvernement se veut pratique. Les questions de mobilité autour de Cotonou et dans Cotonou continue de se poser avec acuité. Et c'est ainsi que le gouvernement a entrepris la construction de ce deuxième ouvrage. Ce projet, c'est un pont en béton et les fondations sont les pieux. Selon les études géotechniques réalisées, les profondeurs oscillent entre 55 et 60 mètres. Hervé Réromain constate que les virolles pour le coffrage des pieux sont déjà approvisionnées à 60%. Autrement dit, Sogea Satom a déjà touché les cornes de la partie pratique. C'est heureux de constater que l'entrepreneur a pris la disposition pour que ce travail s'engage. Et même, vous voyez l'implantation. Le C0 que vous voyez là, c'est là où nous allons implanter la première file de pieux. Donc aujourd'hui, nous sommes heureux de constater et d'annoncer aux Béninois que les travaux de construction
du second ouvrage de franchissement de Bafon de Womé ont démarré par l'entreprise Satom. L'entreprise Satom, Sofia Satom, qui a déjà réalisé le premier pont. Et nous avons fait un appel d'offres pour recruter la mission de contrôle. Et il se fait que c'est le bureau TR Ingénierie, un bureau luxembourgeois, qui est également retenu. Et c'est par coïncidence la mission de contrôle qui avait supervisé les travaux du premier ouvrage. Donc tout concourt vraiment à une réussite sur ce chantier. Le délai de livraison de ce deuxième ouvrage de franchissement est 20 mois et la collaboration des populations vivement attendue. Les personnes qui seront frappées d'alignement, de reculement, et doivent nous aider. Les dispositions sont prises pour leur dédommagement. Mais dans un premier temps, nous allons commencer déjà à leur faire les marquages, leur engager des discussions avec ces personnes-là. Et par la suite, les procédures de dédommagement vont et se mettre en route. Nous allons bien entendu entrer en discussion avec les autorités administratives locales pour faire un peu de sensibilisation de façon à ce que le déménagement de ces populations ne soit pas un frein aux travaux. Et je pense que les populations de Womé et environ sont contentes que ce deuxième ouvrage soit engagé ici, et disons pour tomber sur le carrefour que nous appelons habituellement à Glouza Carrefour. Même entreprise et même mission de contrôle pour dupliquer cette réussite du gouvernement à Womé, mais sur 350 mètres linéaires. Et on passe au dernier sujet de ce journal. Des organisations communautaires de base de 12 villages de Kétou bénéficient d'un important don de matériel de transformation des produits locaux et de dispositifs de lavage des mains. C'est dans le cadre du projet dénommé Procal Nutrition. Voici le compte-rendu. Le projet Procal Nutrition fait des heureux dans le rang des personnes démunies de Kétou. En 18 mois d'activité, le projet a permis d'impacter plus de 4000 enfants de 0 à 5 ans, mais aussi des femmes allaitantes. La cérémonie de ce jour, un grand événement pour les bénéficiaires. L'activité de ce jour, qui marque la clôture des activités du projet Procal Nutrition, représente pour nous une activité capitale du fait qu'elle vient renforcer le rôle des femmes dans le processus de diversification des sources d'approvisionnement alimentaire grâce à ces matériels de production et de transformation des aliments riches en micronutriments. Elle permettra de renforcer l'autonomie des femmes et participera à la réduction de la pauvreté au sein des ménages. L'ONG Autre Vie, bras opérationnel du projet Procal Nutrition, est venu les bras chargés de matériel de transformation des produits locaux et de suivi de croissance des enfants de 0 à 5 ans, mais aussi de kits de dispositifs de lavage de mains. Depuis avril 2019, plusieurs activités ont été réalisées avec des résultats encourageants. À ce jour, 120 OCB outillés accompagne les ménages à adopter les bonnes pratiques en matière d'alimentation, de santé, de nutrition et d'hygiène en communauté. La santé et la performance scolaire d'un enfant dépendent de beaucoup de choses, mais surtout de son alimentation. L'ONG Autre Vie a compris cette réalité et s'y est investi pour le bonheur des enfants de la commune de Kétou. Ces enfants constituent l'avenir de cette commune. À tous ces matériels s'ajoute le prix du jeu concours des meilleurs parents engagés dans les bonnes pratiques nutritionnelles, un volet aussi cher pour les responsables du projet. Le projet Procal Nutrition est un projet de développement et de renforcement du capital humain qui est un volet très cher pour le gouvernement de notre pays, le Bénin, et dont les acteurs que nous sommes, avec nos partenaires, doivent soutenir.
Toutes ces femmes provenant des 12 villages de Kétou dans lesquels intervient le projet Procal Nutrition ont désormais de quoi se réjouir pour leur mieux-être. Et ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Bon dimanche.